Bonjour et bienvenue dans la galerie de bal du château de Compiègne où est actuellement présentée une exposition intitulée « Une élégance impériale, souvenir de la garde-robe de l'impératrice Eugénie ». Alors dans cette exposition, nous présentons un certain nombre de vêtements qui proviennent de l'impératrice. Nous avons à Compiègne la collection la plus importante de vêtements provenant de l'impératrice et des vêtements de toutes sortes, qu'il s'agisse de corsages de bal, de tenues de sport, de robes qu'elle a portées à la période où elle était en exil. Et nous avons notamment une pièce assez exceptionnelle qui est une veste d'uniforme, parce que l'impératrice était colonel honoraire du régiment des guides de la garde impériale. Donc elle était amenée à passer en revue les troupes et elle avait un uniforme de même type que celui des guides, mais aménagé bien sûr, féminisé je dirais, comme le montre la coupe de ce vêtement qui est cintrée avec une taille très fine qui correspond à la mode de l'époque. Et au niveau de l'ornementation aussi, cet uniforme respecte certains des codes des vêtements militaires. Sur les manches, vous avez des décors qui évoquent le grade de colonel, qui était celui de l'impératrice. Mais sur le haut de la poitrine et dans le dos, on a des ornements qui sont beaucoup plus libres, qui sont destinés vraiment à enrichir le vêtement et à montrer le rang insigne de la personne qui le portait. Et ce sont ces parements qui donnent vraiment beaucoup d'élégance aux vêtements et qui en font une pièce exceptionnelle.